Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 19 décembre 2020 et nous allons faire un cours de gym danse pour débutants en danse et révision en fin de compte, révision de ce qu'on avait déjà vu au cours des débutants et de gym danse. Donc aujourd'hui il y a bien sûr un entraînement au sol, une révision sur les sauts de chat, la préparation du saut de chat, les tours. Et puis, d'autre part, et le pâté, bien sûr. Pâté pourré, très utile en danse classique, et puis dans toutes les danses sous d'autres formes. Donc, on va commencer par un échauffement au sol, puisque c'est la gym danse. Premièrement, ce sera des dorsaux. Je vous montre, sans mettre la musique, c'est très simple. Vous chutez en arrière, rentrez le ventre, et vous tirez comme un rameur. C'est ce que j'appelle le rameur maison. Et on tire, et on sort la poitrine. On fait ça 4 fois. 3, 4, vous voyez, on sort les seins, on pousse 4 fois. 1, 2, 3, 4. La deuxième partie, c'est des barres parallèles maison. Voilà, on peut pouvoir faire mieux. Ça permet de s'entraîner, de rester à peu près droit. C'est parti. Rameur maison. 1, 2. Nous allons faire un autre exercice. On reste dans la même position. Donc, on tire et on revient. On tire et on revient. Donc, le but, c'est torsion du corps. Regardez bien. Hop, vous tirez. Ça travaille ici. Et ici, d'accord, c'est pour l'ouverture, pour la torsion, d'accord. Si ça vous fait mal, si vous avez des problèmes de vertèbres, bah vous ne le faites pas. Ça peut être un exercice moins torsionné. Vous pouvez faire ça. Je vous mets la musique numéro 7-8. C'est parti. C'est pas parti. Présentation.
posture de danse, bien sûr. Hein. Un peu gardée, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, une petite... c'était pour le dos, hein, pour les épaules, pour le haut du corps. Maintenant, c'est pour toute la chaîne de devant. Donc, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est simple. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 8 fois pli. Bien sûr, c'est plus lent. Et ça demande... Alors, je vous conseille d'essayer de baisser les épaules parce que ça permet d'être un petit peu plus droite. Et c'est pas facile de baisser les épaules là-dessus. 5, 6. Ah, c'est parti. Non, il va pas partir. À droite et à gauche, bien sûr. Numéro 17. Thank you.
Allez, alors ça, c'était un tempère, hein, d'accord? Ça dépend comment on le compte, si on est doux ou pas. On verra que c'était un deux tempère. Alors, maintenant, on va travailler sur le trois temps. Regardez bien. Un, deux, trois. Deux, deux, trois. Trois, deux, trois. 4, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Donc, ça fait en fait 9 changements de pied. Et puis, un changement sur 3. Mais il vaut mieux compter en 3. Hein, c'est important. On a fait nos petits machins, on développe, on reste, on descend, et on revient. On essaie de jamais être au sol, hein. D'accord? Nous allons travailler sur le pas de bourrée.
Donc, regardez bien. Le pal doré commence par un temps pointe. Coupé. Voilà. Coupé, fondu même. Fondu, coupé. Temps pointe. Posé. Allongé. On va faire ça 3 fois. On répète. Coupé. Temps pointe. Posé. Allonge. Coupé. Temps pointe. Posé. Allonge. Et on va faire notre pas de bourrée. Coupé. Temps pointe. Temps pointe. Posé. Allonge. Coupé. Bloqué. 3 fois. Posé. Tendu. Coupé. Temps pointe. Posé. Coupé. Temps pointe. Posé. Allonge. Coupé. Pointe. Lié. Allonge. Le pas de bourrée commence, ou quel pas de bourrée ordinaire, hein, qu'on apprend toujours aux débutants. Commence derrière, coupé derrière, on pose l'autre pied sur le côté, et le premier pied finit devant. Ce qu'on appellera ça, derrière on dit dessous, c'est le mot derrière se dit dessous, dessous, seconde, dessus, parce qu'il finit devant. D'accord ? Et on contracte, on dit pas de bourrée dessous, dessus. Dessous, dessus. C'est le premier pas de bourrée qu'on apprend. On est parti pour nos temps pointe et pas de bourrée. 32. Waouh, il est parti. Et 1, 2, et 3. Excusez-moi, je suis partie. C'est ce truc. C'est l'horreur. Voilà. Coupez ton pote. Seconde et finie derrière. Donc vous changez, vous n'avez plus le pied intérieur devant, vous avez le pied extérieur. Coupez derrière, coupez derrière, coupez derrière, coupez devant, excusez-moi, coupez devant, seconde, finie derrière. Coupez devant, coupez devant, coupez devant, coupez devant, seconde, finie derrière. On y va. Coupé devant, posé, allonge. Coupé devant, pose, allonge. Coupé devant, attention. Coupé devant, posé second, fini derrière. Coupé devant, pose. Coupé devant. Coupé devant.
toi. En danse, donc on dit descendre. Je descends, j'avance. Quand on recule, on dit remonter. Alors j'explique ça à mes élèves, hein, en disant la pente du théâtre descend, on va vers l'orchestre et on remonte la pente. Voilà, on recule. D'accord ? Bien. Donc, nous allons faire des dégagés en descendant. On porte la jambe sur le côté, mais on ne transfère pas le poids. Hein. On reste sur la jambe de terre. Hop, on pose devant. Pouf, on transfère sur la jambe de devant. Hop, hop. Et ça permet d'avancer très peu, tout en ayant un mouvement très visible pour le public. C'est pour ça qu'en danse, vous avez beaucoup de mouvements qui se passent sur le côté. Hein. On y va. Alors, l'explication. Je descends. Je regarde du côté du pied qui se déplace. D'accord ? Je remonte. Je regarde du côté du pied de terre. Et ça correspond à la marche. Je descends. Je regarde du côté du pied de devant. Je remonte. Je regarde du côté... Je regarde aussi du pied devant, c'est-à-dire du pied opposé à l'autre derrière. Et ça marche exactement pour la même chose pour le dégager. C'est moins visible. C'est moins visible parce que ça avance très peu. C'est parti. Alors, 35. Attends, 5. Qui fait permettre d'avancer droit et on le fait en l'air. Un, deux, les mains sont plus à plat. On baisse les épaules, on sourit. Que je marche. Ah ouais, je fais comme ça quand je marche. Hop. Ah ouais, là. Waouh. Waouh. De danse
une marche, c'est marcher, c'est une fois je marche, une fois je ne marche pas, une fois je vais en arrière, une fois je vais de côté. Et en fin de compte, c'est tout ça un peu plus subtil que quand je vais dans la rue où il y a beaucoup de hasard parce que je m'adapte à l'environnement. Là, en fin de compte, on n'adapte rien, on se contraint beaucoup, beaucoup. Bien, on a fait les dégagés, on a fait les pattes bourrées et nous allons faire la préparation autour. Alors, on l'a déjà fait plusieurs fois hein, au cours. Dégager derrière, poser. Déjà, on ne va pas tourner, on va relever. On relève sur la jambe de devant. Et on pose. On fait ça 4 fois. J'avais le bras devant, je l'ai laissé devant, j'avais la tête ici, je l'ai laissé ici. Je vais tourner. J'ouvre le bras. Et je tourne. Toujours avec le même système de relevé. Regardez bien. Je retire le pied derrière. C'est comme une détorsion, hein, comme une lame qui est vrillée. Ça va tourner tout seul. Quatre fois relevé. 1, 2, 3, 4. 4 fois ça. 2 quarts de tour. Pour ceux qui peuvent, vous faites la tête. 1 demi-tour. Et 1 tour. Et on recommence. D'accord? Et après, on fera de l'autre côté, évidemment. Vous faites toujours au miroir, hein, pour ne pas vous perdre. Ne pensez pas droite-gauche, c'est trop, ça ne sert à rien. Alors je rappelle qu'un tour en dehors, je tourne du côté inverse au pied de terre. Je suis sur le pied, si je suis sur le pied droit, je tourne vers la gauche. Si je suis sur le pied gauche, je tourne vers le pied droit. On est parti. 44. De savoir qu'est-ce qu'on fait comme commande. On va faire des tours en dedans. C'est sur le même procédé. Alors, je vous ai fait travailler la prise classique. Hein. Donc, tour en dedans en prise classique. Je dégage devant. Je pose. Et regardez bien, vous avez vu, j'avais la tête là. Je l'ai mise en haut diagonale. Je reviens. Je dégage devant. Je pose. Je reviens. Je dégage devant. Je pose. Et regardez bien. On va faire 1 quart de tour. Hop. J'ai la tête là. Eh bien, le corps ne fait que rejoindre la tête. Hop. On est arrivé. Et on fait de l'autre côté. 1, 2,
reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2, je lance le bras, je pousse avec le pied et c'est ça qui va me faire tourner. Voilà, on est parti. Même musique, on ne s'embête pas, tranquille. Des fois, je trouve qu'il n'entend rien du tout. Pourquoi il me dit stop? On va partir. Excusez-moi, hein, j'ai un petit problème de... On est parti. Ah, parti. Tranquille, hein. C'est aucune importance, vraiment le regard et la précision du départ. D'accord ? Je rappelle que le saut de chat, c'est le départ du pas de bouée. Tchou ! Hop ! Bien sûr. Vous avez vu que le déplacement est latéral. Par rapport au public, c'est quelque chose qui est très lisible. Très lisible. Il se voit bien. Hein ? Numéro 53. Attention. Hop, c'est parti, mon kiki ! Thank you.
garçon. Tiers de tout. Trois sauts-chats en tournant. Saut de chat. Trois soubresauts. Trois changements de pied en tournant. Un, deux, trois. Hop. Deux, trois. Hop. Que pour les garçons. C'est bon, Patrick? 3 minutes. Ça s'arrêtera en cours. Et deux, trois. Saut de chat. Deux, trois. Saut de chat. Bonne journée.